Salut tout le monde, donc c'est Nas pour une nouvelle vidéo dégustation. Donc là, petite recette hyper rapide à faire. Donc il vous suffit d'avoir un sachet comme ceci de nouilles asiatiques et à peu près 120 g de saumon en boîte. Ça passe bien, ou du saumon frais même. Si vous avez le temps de le faire cuire, c'est plus rapide avec le saumon en boîte. Donc c'est des nouilles thaïlandaises, donc product of Thailand. Donc c'est halal. Donc, c'est des crevettes halal en fait. Vous voyez, c'est des crevettes qui ont été. Donc, c'est des crevettes halal. Ça m'a. ça m'a tué de voir ça halal quoi. C'était même pas la peine de le préciser. Donc, voilà, avec des petites herbes et aussi du piment. Donc, la recette, elle est assez simple. Là, je suis en train de faire bouillir 320 ml. Là, pour celle-là de nouilles, il faut 320 ml. Lisez toujours, là vous voyez c'est 320 ml, on peut les faire bouillir à la casserole et ensuite on les met dans un bol et on laisse tremper pendant 3 minutes, sinon au four à micro-ondes. Donc on va regarder l'intérieur comment c'est. Hop. Donc voilà les nouilles et les petits sachets de condiments, sauce, saveur et piment. Il n'y a pas d'autre sachet, il faut faire gaffe parce que des fois il y a un autre sachet à l'intérieur. Là, il n'y a pas. Donc, allez, je coupe et on se retrouve avec l'assiette toute prête. Donc, voilà, elles sont prêtes. Donc, j'ai fait goûter le saumon à part. Voilà, donc je vais déjà goûter sans le saumon pour voir qu'est-ce que ça donne. Les nouilles, elles ont l'air plus grosses, plus épaisses que les autres. Parce que c'est la première fois que je les goûte, celle-là, aux crevettes comme ça. Allez, bismillah. Ah! 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 Qu'est-ce qu'elles sont piquantes! Ah! J'aurais dû pas mettre le petit sachet de piment en entier. Ah! Ah! Elles étaient en promotion. Donc après, moi, ce que je fais, c'est que je viens et je mets tout le saumon. Voilà, le saumon est goûté bien évidemment, je l'ai goûté avant. Et après ce qu'on fait, c'est qu'on coupe en petits morceaux et on mélange bien. Ah, comme c'est piquant. Bon, ça ne me dérange pas piquant. Quand c'est piquant, il faut mieux manger à midi, si on n'est pas habitué, pour les gens qui ne sont pas habitués. Mettre de ce côté pour continuer la dégustation, ça va être plus pratique parce que quand tu as une caméra entre toi et c'est difficile, en plus je suis plus proche du micro. C'est franchement, c'est pas mes nouilles préférées, je préfère encore celle au bœuf ou celle au poulet ou celle au curry. Là, je sais pas, il y a un petit arrière-goût qui me gêne. Il y a un petit arrière-goût qui me gêne dans les pattes. Mais ça passe. En tout cas, c'est très piquant. Ha, ha, ha. Très, très piquant. Ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu mettre aussi des petites crevettes. Du saumon ou des petites crevettes. Il y en a des fois au supermarché des crevettes décortiquées au rayon frais. Parce que les crevettes en conserve sont vraiment... Autant le saumon en conserve, ça passe. Tu vois, c'était pressé, un truc rapide. Mais autant les crevettes en conserve, ça vaut pas le coup. Elles sont minuscules.
Faut mieux prendre celle décortiquée au rayon frais, cuite et décortiquée. Vraiment, elles sont trop piquantes. D'une part, elles sont trop piquantes. Secondo, il y a comme un arrière-goût de citron. Mais pec citron, tu vois. Un petit arrière-goût de pec citron. Donc, ça fait vraiment bizarre. C'est ça qui m'a surpris. Un petit arrière-goût pas naturel du tout. Peut-être parce que je connais pas la bouffe thaïlandaise aussi. Vraiment très piquant. Ah. Pourtant, j'ai tapé dans la bouffe tunisienne. Des années, j'ai tapé dans la bouffe tunisienne. Je sais c'est quoi le piquant, mais celles-là sont vraiment très piquantes. Je crois que ça fait un petit moment aussi que j'ai pas mangé piquant. Que j'ai pas mangé tunisien. Je vais arrêter la dégustation là. Je vais déguster tranquillement. Parce que j'en fous partout. J'éclabousse partout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À mettre un pouce bleu. À vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.